une grosse gamine. J'entends bien, je suis une grosse gamine bling bling, mais j'aime bien. Je viens vous présenter quelques nouveautés et ça tombe bien parce que pour le coup, j'ai zéro flop et c'est très rare donc je trouvais que ça valait quand même le coup d'en parler. Hein. Je pense que tout le monde doit le savoir, Wendy est satisfaite. Ça peut arriver dans ce monde où Wendy est absolument critique sur tout. On m'a fait la réflexion la dernière fois sous une de mes dernières vidéos en commentaire comme quoi je devais préciser quand les produits m'étaient adressés pour un partenariat ou de manière gratuite. C'est vrai que j'estimais que puisque je mettais l'indication en barre d'infos ça suffisait, donc on me l'a dit pas d'une façon certes très agréable, mais j'ai bien compris le message. J'ai reçu de la marque Glam Glow via la plateforme donc Octoly ce masque qui me faisait de l'œil depuis un moment mais que je trouvais un petit peu cher. Et celui-ci qui est hydratant, donc moi bien sûr j'ai choisi ce masque hydratant et je vous avoue que j'en suis vraiment satisfaite. Déjà il y a une chose qui m'a vachement plu parce que j'ai déjà utilisé 3-4 fois. Je trouve par contre que à mon avis il va être très très vite utilisé, mais en fait ça a une odeur d'amande. Et évidemment, comment me séduire? Comment ne pas me séduire quand on sent l'amande? Limite pralinée, un peu caramélisée, c'est juste hyper gourmand l'odeur. Alors par contre, faites très très attention parce que la première fois que j'ai utilisé, je me suis fait avoir, j'en ai mis un peu trop près de mes yeux et ça m'a un petit peu piqué. Parce que ça fait partie de ces masques que l'on n'est pas obligé de rincer. La feignante qui est en moi dit amen parce que vous l'appliquez en couche épaisse et derrière vous n'êtes pas obligé de vous rincer. Vous savez, je déteste quand on doit rincer un masque parce qu'il y a de l'eau qui coule partout et ça me stresse. Vous pouvez retirer le surplus avec un coton et masser le reste sur votre visage comme si c'était une crème hydratante. C'est juste un bonbon et c'est hyper hydratant, donc je dis oui. Toujours via Octoly, j'ai reçu gratuitement de chez Aven le démaquillant yeux douceur. Alors c'est un démaquillant que je connaissais déjà et en fait quand je l'ai vu sur le site je me suis dit je crois que ça m'avait vachement plu, que je m'étais dit qu'il fallait que je le rachète et que j'ai racheté autre chose entre temps. Et en fait celui-ci vraiment enlève même le waterproof. Alors bon d'accord, en ce moment je me maquille vraiment très peu, je le trouve vraiment bien, vraiment chouette et en plus je trouve que c'est un côté très très frais, très gelé, très agréable. Aven ça a tendance à, enfin on sait que ça respecte énormément les peaux à tendance fragile, qui vont être déshydratées, qui vont faire des petits boutons, qui vont faire des allergies. Enfin c'est ce démaquillant aux yeux douceur que je préfère. La dernière fois que je suis allée chez Sephora, j'y suis allée pour une collègue. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas droit. C'est pas droit. Voilà. Alors on sait que c'est la tendance aux mascaras de couleur. Je pense que je vous apprends rien. Mais là, le problème des mascaras de couleur, c'est que la plupart du temps, on ne le voit quasi pas. Comme, je sais pas, moi, Yves Saint Laurent, Chanel, etc. qui vont proposer des mascaras de couleur vont être dans la subtilité. Et la subtilité, c'est pas tellement ce qui me caractérise le mieux. Si je mets un mascara de couleur, faut que ça se voit, sinon ça sert à rien. Je déteste les trucs genre subtils. Non, subtils et moi, on n'est plus copains. Je les virais de Facebook et... Du coup, j'ai voulu tester parce que quand on y est allé, la vendeuse qui s'appelle, je crois... Je sais plus son prénom, mais elle nous a dit j'ai un prénom original, vous vous en rappellerez. Bref, cette petite vendeuse qui est chez Sephora Cormontreuil était juste exceptionnelle. Je vous conseille vraiment, je sais pas Clémentine, mais c'est quelque chose comme ça. Elle était vraiment géniale, elle était passionnée par son métier. Toujours est-il que sur ses yeux, elle avait fait un dégradé de mascara de couleur de cette marque Sephora. Bon, j'aurais pas été jusque là en mettant en dessous du turquoise, au-dessus du bleu, enfin, j'aurais pas fait ça. Par contre, du coup, je me suis rendu compte de l'intensité de la chose et je me suis dit, bah moi, du coup, je vais le tester, quoi. C'est vrai qu'il me faisait déjà de l'œil. Du coup, j'ai pris le violet. Alors, je vous montre la brosse, donc c'est une grosse brosse, bien sûr. Et c'est un violet qui ne fait pas, vous savez, mauve clair. Enfin, il est vraiment intéressant parce que quand je l'ai appliqué le matin, j'ai été hyper déçue, j'en ai même parlé sur Snap. Je me suis dit ok, il se voit limite qu'à la lumière. Et j'ai été surprise lorsqu'Elodie, une collègue, en me voyant à l'extérieur justement du boulot, m'a dit oh là là, c'est quoi ton mascara de ouf, ça se voit trop, c'est trop beau. Et là j'étais satisfaite, ça l'a fait mon monde ce jour là, elle a fait ma journée. Bref, tout ça pour dire que je le trouve vachement sympa. Il est à 7,95€ et si vous cherchez vraiment des couleurs qui changent, si vous êtes partenaire Octoly, il le propose en ce moment. Moi je pense que je vais en profiter pour demander une autre couleur parce que j'adore. À ce propos, si vous voulez une vidéo justement sur comment porter un mascara de deux couleurs, n'hésitez pas à me le dire parce que ça paraît tout con, mais on ne sait pas forcément comment le porter. On ne sait pas si on doit mettre du noir en dessous ou au-dessus, comme le dirait Chanel. Mais voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi. La dernière fois, je suis allée faire un tour chez Eurodif parce que je sais que pendant les soldes, ça vaut relativement bien le coup sur tout ce qui est
accessoires d'été. Vous allez faire un tour sur le stand de la marque Miss Europe, parce que c'est un stand qui, que je vois souvent par exemple chez Babou et qui, je sais pas, m'interpelle parce que je trouve que les prix c'est pas exorbitant, bien que ça pourrait être, je pense, quand même moins cher. Et en fait, dans tout ce qui était maquillage, étrangement, il n'y a rien qui m'a attirée. J'ai trouvé qu'on était un petit peu en retard en fait sur les tendances de maquillage. Par exemple, il y avait du rouge à lèvres irisé, mais il n'y avait pas de mat, et c'était des couleurs très classiques. Et ça peut répondre, je pense, à une certaine demande, mais je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ce qu'ils proposent. Par contre, je me suis pris 3 vernis parce que oui, je me mange vraiment définitivement plus les ongles, et je les ai déjà limés, coupés plusieurs fois parce que étrangement ils poussent hyper vite. Je pense que du coup ils se sont dit putain, elle arrête de nous bouffer, wouh! Mais du coup je me suis pris 3 vernis. Alors ça me permet en fait d'avoir plusieurs couleurs, parce que c'est vrai que je suis pas du genre pour le coup à mettre trop cher dans un vernis, parce que déjà je trouve que la plupart du temps ça dure 2 jours et j'aime bien changer de toute façon. Donc j'ai pris 3 teintes, donc les voici. Donc celui-ci c'est un bleu avec des reflets un peu violets, assez marrant. Donc ça coûte à peu près, je crois que c'était 2,50€ le vernis. Je trouve que c'est correct par rapport à la taille. Donc celui-ci c'est ouais un bleu mais irisé avec des reflets à la fois indigo et en même temps violet. Il est vraiment sympa. Le deuxième c'est celui-ci. En fait c'est un kaki un peu mordoré avec des espèces de mini paillettes, quand on bouge comme ça, mini paillettes dorées. Je pensais que ça allait être vraiment hyper joli sur moi, mais finalement une fois porté, je suis pas, sur les mains en tout cas, je trouve pas que ce soit si élégant et si joli que ça. Donc du coup je vais me le réserver pour les pieds, surtout quand j'aurai les pieds encore plus bronzés. Je pense que ça peut être super sympa. Et le troisième bah, c'est ce vert pomme. La chose que je regrette par contre, c'est que j'ai déjà mis 2 couches et que l'opacité n'est pas extraordinaire. Je m'attendais à vraiment un vert pomme grani très opaque. Or, mais quand je regarde, je vois en fait le blanc de mes ongles. Donc c'est pas une opacité extraordinaire en fin de compte pour le prix. Je trouve ça pas mal, on n'en entend jamais parler. Et il y avait plein de couleurs. Je vais passer vite fait sur mon mascara chouchou du moment, qui est le Marc Jacobs. Je l'ai dit, j'ai dit que j'allais craquer, j'ai craqué. Voilà, j'ai profité des moins 25%. En fait, je l'avais eu en version miniature dans une glossy box. Et j'avais été vraiment mais surprise par l'intensité du noir. C'est vraiment le... J'ai jamais utilisé de mascara plus noir que celui-ci. Il coûte cher, il est à 30€. Mais pour le coup, je sais pourquoi je mets 30€ dans ce mascara. Je sais que j'arrête pas de me justifier sur le prix, parce qu'en soi c'est ridicule de mettre 30€ dans un mascara, et ça fait 3-4, ouais ça fait bien 3-4 mois quand même que je parle de celui-ci. Mais je me suis fait plaisir et je le trouve vraiment génial. Sur le Free Store d'Octoly, je me suis pris mon premier... produit de la marque SLA. Donc SLA ça veut dire Serge Louis Alvarez. Donc c'est un highlighter qui a détrôné mon Soft and Gentle de MAC. Et oui, ça me fait mal au cœur de le dire depuis le temps que je le mets. J'arrête pas d'en parler, de vanter ses mérites. La différence avec cet highlighter que j'ai mis ici, mais je suis pas sûre que vous le voyez, en fait c'est que cet highlighter a des sous-tons rose gold. Et alors pour une peau mate, sublime. Alors là c'est la teinte Touch of Glow Champagne. Je le trouve, enfin il est sublime, il est beaucoup moins poudreux que le MAC et j'aime bien l'appliquer vraiment ici sur le bout du nez, et j'en ai beaucoup moins qu'avant parce que comme vous l'avez certainement remarqué, niveau maquillage j'y vais plus que mollo désormais. J'essaie de valoriser en fait mes taches de rousseur, et il est intéressant parce que voilà, il a des sous-tons qui ne sont absolument pas blanchâtres et qui vont vraiment vers le rose gold complètement, du champagne rosé en fait tout simplement, et je le conseille vraiment pour le coup parce que il a un sous-ton qui va, alors je suis pas certaine que ce soit joli sur les peaux blanches pour le coup, mais alors pour toutes celles qui ont la peau mate et qui cherchent un highlighter qui fasse pas blanc, qui fasse pas argenté, sur tentez celui-ci vraiment, je le conseille à 1000%. Une petite parenthèse parce que Octoly m'a envoyé
ce joli trophée pour les 20 000 abonnés que j'ai eu la semaine dernière. Donc je trouve ça hyper touchant. Grâce à Autoly, j'ai pu avoir beaucoup plus de contenu au niveau du maquillage sur ma chaîne, parce que c'est vrai qu'on arrive à toucher des marques qu'on pourrait ne jamais obtenir entre guillemets en partenariat en les sollicitant soi-même, parce qu'il y a des grandes marques, je sais pas moi, on va citer Lancôme, on va citer plein de marques avec qui j'ai pu travailler entre guillemets grâce à Octoly, et j'ai trouvé ça hyper touchant qu'ils aient pensé envoyer ça aux youtubeuses. J'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est une reconnaissance du travail que l'on fait, et c'est un partenaire du coup qui valorise notre travail et qui accompagnait ce cadre en plus d'une super lettre qui était très très bien écrite et qui m'a vraiment touchée. Ça fait depuis 2009 que je suis là et je sais pas, depuis quelques mois ma chaîne elle monte de ouf, et je pense que c'est par rapport à tous les efforts que j'ai fait par rapport à ça. J'ai changé les montages, j'ai ajouté une dynamique différente, j'essaie de vous faire rire à chaque fois. Et je suis beaucoup plus positive que j'ai pu l'être auparavant. Donc juste cette petite parenthèse que là déjà on est à 21 000. En l'espace d'une semaine j'ai eu 1000 abonnés et je suis trop contente parce que ça se passe super bien et que je pense que l'attitude positive amène le positif. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!